Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur une île pour faire une survie, c'est super génial. Regardez les amis, on a un arbre sur l'île, un coffre avec simplement des minerais et une vache, du coup c'est parti. Ok, du coup c'est parti, je suis sur l'île les amis, je suis en survie et du coup nous allons découvrir qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre. Allez, c'est parti. Ok, nous avons de la poudre d'os, bon bah je vais la prendre directement. Hop, poudre d'os, du sable, de la canne à sucre, des torches, de la viande, du charbon, du blé, une hache et simplement de l'eau. Hop, et de la lave. Du coup, c'est parti, les amis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la hache. Je pense que. Ouais, ok, on peut casser avec. Super, ok. Ah, non, en fait, les amis, vu que c'est une hache hors d'édit, on peut pas la prendre. Du coup, on va la poser dans le coffre. Et on va simplement. La vache, par contre, j'ai pas envie qu'elle tombe, hein. Ma petite vache, j'ai pas envie que tu tombes d'ici. Du coup, alors attendez, je vais quand même enlever tout ça. Simplement, regardez comme ça. On récupère des petites pousses, les amis. Bon, une fleur, ça sert un peu à rien. Tac, on va récupérer le blé, les amis. Oh, j'ai peur de taper la vache. J'ai vraiment peur de taper la vache. Dites-moi si vous voulez que je pousse la vache dans le vide. Mais bon, ça serait un peu dommage parce qu'on en a besoin. Ok, là, il faut qu'on récupère du bois, les amis, sans le faire tomber. Allez, hop, du coup, une première bûche. Ok, c'est parti. Ce qui serait bien, c'est qu'on agrandisse l'île, les amis. Hop, du coup, c'est parti. Est-ce qu'il y a des minerais en dessous? Ce serait une bonne question. Est-ce qu'on a des minerais en dessous? Oh! Oh la vache, oh la vache les amis, elle a failli tomber la vache. Ok, du coup c'est parti, donc là on a du bois, on va le transformer les amis. Hop, voilà, j'ai mon petit skin de prisonnier, vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai fait une vidéo avec Talcado, du coup les amis, où j'étais un prisonnier. Du coup n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Alors hop, c'est parti, je récupère le bois. Ensuite j'ai une table de craft les amis. On va pouvoir la poser juste à côté de mon coffre. Voilà, et comme ça je pourrais me faire des choses avec le bois. Je pense que pour l'instant les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le bois et on va du coup agrandir l'île. Du coup c'est parti, regardez ce qu'est la vache, je vois qu'elle a envie de tomber les amis, hein. Je vois qu'elle a clairement envie de tomber. Là-bas j'ai l'impression de voir un truc les amis, j'ai l'impression de voir la tour simplement des anges qu'on avait vu dans une vidéo précédente. Ok, du coup ma petite vache, il faut pas que tu t'enfuis, d'accord? Mais... Oh, les amis, j'ai vraiment peur, hein. Attendez, est-ce que je peux lui donner ça? Ok, ah oui, je vais lui donner, ok, bon, elle a kiffé. Bon, d'accord, ok, elle a mangé mon petit blé, les amis. Alors, du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut, je crois, il faut casser l'arbre, les amis. Et après, je crois que je peux récupérer les pousses d'arbre, tout simplement, pour en repousser un. Enfin, on peut refaire pousser un, et après, on pourra prendre la poudre d'os, les amis. Comme ça, l'arbre pourra pousser un peu plus vite. Regardez, en plus, on récupère du bois, du coup, c'est plutôt pas mal. Ok, dites-moi si ça vous plaît, ces petites survies, les amis. Si vous voulez, dans les prochains épisodes, on pourra ramener d'autres youtubeurs, ça pourrait être plutôt pas mal. Du coup, là, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir mon île à la fin, comme elle va être super stylée. Enfin, je pense, en tout cas, on verra bien comment elle sera. Allez hop, c'est parti, tac, nickel. Voilà, donc j'ai un arbre pour l'instant, donc on va le planter. Regardez, on va le planter ici, tac, nickel. Et on va voir si on peut en avoir un petit deuxième. Le but c'est de pas tomber aussi, les amis, parce que je peux tomber de l'île. Alors attendez, normalement je crois que les amis, j'ai pas besoin de piocher. Je crois que ça s'enlève tout seul, ça. Hein. Je crois que ça s'enlève tout seul. Bah tenez, je vais prendre le bois comme ça, je vais agrandir l'île encore une fois, les amis. Hop, c'est parti. Comme ça, la vache, putain, la vache, elle aime trop se mettre sous les extrémités. Je crois qu'elle a vraiment envie de tomber, les amis. Hop, du coup c'est parti. Pour ceux qui sont pas au courant, les amis, j'ai mis simplement disponible dans la boutique Teespring, du coup mon petit design, du coup il est plutôt sympa. Et merci à ceux qui l'achètent. Alors hop, voilà, regardez, j'ai un deuxième arbre. Du coup, alors je vais pousser. Pardon, je vais pas pousser. Je vais laisser la poudre d'os dans le coffre et là je vais récupérer encore une fois le bois. Ce qu'il va falloir que je fasse, les amis, c'est pour la survie, on a besoin aussi de pierre. Du coup, j'ai vu qu'il y avait, regardez, de la lave et de l'eau. Donc attendez, je vais la reposer dans le coffre au cas où on tombe, les amis. Oula, la bûche de bois qui a fait tomber. Et tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire une machine simplement pour avoir la cobble gratuitement. Par contre, alors je sais pas si je sais la faire. Du coup, on va voir ça juste après. Tac, c'est parti, tac, tac, tac. Et on va d'abord se faire une source infinie d'eau. Comme ça sera plutôt pas mal. Allez hop, l'arbre, tu vas te casser vite fait. Comme ça, on va pouvoir en repousser un deuxième. Ah, je crois que j'en ai chopé un, non? Ok, j'en ai pas chopé un, les amis. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai du bois, tac, on va le mettre en planche. Voilà, c'est parti, on a 26 planches, c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre, les amis, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ici, donc la vache, pousse-toi. Et là, les amis, je vais faire un carré. Bon, si la vache m'en empêche, ça va être difficile. Oh non! Oh, mais elle se met devant moi, elle veut vraiment que je la tape, je crois, les amis. Vraiment, elle est bête. Ok, dites-moi si la vache est intelligente, mais pour l'instant, elle est vraiment débile. Ok, donc là, on fait comme ça, les amis, tac. Bon, j'étais pas obligé de faire les angles, mais bon, c'est plutôt pas mal. Je vais voir s'il y a de la profondeur. Ok, nickel, regardez, on peut tout simplement creuser en plus en bas. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'eau. On va prendre les deux seaux d'eau, les amis, et on va faire une source d'eau infinie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous faites ça, vous mettez dans un coin un seau d'eau et dans l'autre coin l'autre seau d'eau. Et hop, normalement, c'est censé faire une source infinie. Ah oui, d'abord, faut faire ça, regardez. Voilà, d'abord faut le faire il faut qu'il n'y ait pas qu'il y ait d'étage, voilà. Et là maintenant normalement on peut creuser et ça ne change rien du tout. Alors regardez, hop, je creuse ici, je vais creuser là les amis. Et normalement ça devrait rien changer, hein. Normalement ça devrait rien changer. Normalement j'ai ma petite source d'infini d'eau. Dites-moi ce que vous en pensez, si vraiment ça a marché ou pas. On va aller récupérer les petits planches de bois. Hop, voilà, nickel, on va essayer de pas se noyer. Qu'est-ce qu'il y a ma petite vache? Pourquoi tu me regardes ma petite vache? Ce qu'on va faire les amis maintenant, c'est qu'on va remplir mes seaux d'eau. Hop, donc on va faire doucement. Oula. Ah mais je crois que... Attends les amis, je vais vérifier, hein, je vais vérifier.
Ok, non, c'est bon, la source 2 elle fonctionne bien. Ok, la source 2 fonctionne bien, les amis. C'est moi qui ai eu un bug dans mon cerveau. Je me suis dit, oula, je me suis trompé. Ok, par contre, de source de lave infinie, je crois que c'est pas possible de le faire. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Je crois qu'il me faut de la pierre aussi, hein, les amis. Il me faut de la pierre. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas de pierre, donc je vais prendre de la terre. Punaise, mais elle me fait vraiment flipper la vache, hein. À venir comme ça là. Pff, non! Non, ma terre est tombée, les amis! Ma terre est tombée, non! Ok, bon, ce que je vais faire, les amis, je peux pas le faire avec du bois, simplement. Ah, mais au pire. Ouais, j'ai une idée. Regardez, j'ai une idée au pire. La source infinie, je peux la faire. Alors, normalement, je mets un bloc au milieu. Donc, on va mettre un bloc de terre. Tac, un bloc de terre comme ça. Un bloc ici. Je crois que je dois mettre la lave. Je dois mettre l'eau. Et ensuite, je dois casser au milieu. Ok, bon, ça a pas bien marché, les amis. Normalement, c'est censé faire l'inverse. Alors, il me reste qu'un seau de lave. Je crois qu'il me reste qu'un seau de lave. Donc, là, vraiment, ça va être critique, hein. Ça va être critique, les amis. Normalement, je casse. Peut-être si je mets ici, regardez, tac. Si je fais ça, les amis, peut-être que ça peut marcher. Alors regardez, attention, si je mets la lave comme ça, normalement c'est censé faire un bloc. Ouais, c'est censé faire un bloc, voilà. Ok, bon, c'est pas censé faire non plus beaucoup. Ce qu'il faut que je fasse, les amis, il faut que je fasse une demi-dalle. Allez, c'est parti. Je sais pas, j'ai jamais fait de source infinie, les amis, donc c'est la première fois que j'exerce la source infinie. Bon, c'est pas vraiment très intelligent de faire ça avec du bois, mais c'est pas grave. Allez, hop, c'est parti. Je prends la petite planche de bois. Et ce qu'on peut faire, les amis, c'est que tout simplement, à chaque fois, regardez, là, je coupe. Là, bah, regardez, en fait, là, j'ai la cobble. Donc, à chaque fois que j'ai du bois, je casse ça au pire et après, je creuse. Ok. Bon, il faudrait une pioche en pierre. Donc, là, je ne sais pas si. Avec une. Bah, je vais me faire une pioche en bois, les amis. C'est parti, on se fait une petite pioche en bois. Comme ça, on va récupérer la pierre et ensuite, on se fera une petite pioche en pierre. Allez, c'est parti, tac. Ma petite pioche en bois, elle est juste ici. Je vais essayer de pas tomber dans la lave. Et là, hop, on va récolter le bois. La pierre, pardon. Hop, voilà, nickel. Et là, ok, super. Et là, à chaque fois, il faudrait que je mette de l'eau, c'est ça? Ok, peut-être qu'à chaque fois, il faudrait que je mette de l'eau, par contre, les amis. Donc, c'est parti, je prends l'eau, hop. Mais attendez, la source d'infini d'eau, elle va pas fonctionner là. Ok, bon, je vais mettre l'eau juste ici. Là, je casse ça, les amis. Bon, il y a beaucoup de bruit derrière moi, je sais pas ce qui se passe, j'espère que ça va arrêter. Hop, ensuite, là, la lave, elle va retomber. Et là, boum, c'est censé faire un bloc. Ok, nickel. Ensuite, je bloque comme ça, les amis, je vais faire ça. Et comme ça me fera des petits blocs de pierre, et du coup, c'est plutôt pas mal. Hop, ensuite, je récupère le bloc de pierre. Je casse ça. Ensuite, ça descend, ça me fait un bloc de pierre, nickel, je bloque, ok, bon, ça va être ça. Ma petite source infinie, by Awari, les amis, voilà. Donc, si vous voulez faire pareil, n'hésitez pas à faire. Bon, je crois qu'il y en a qui existent, qui sont un peu mieux. Dites-moi si vous connaissez des petites techniques. Alors, par contre, ça, je vais reboucher ici, tac, 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 nickel. Ok, je vais reboucher un peu, il y a vraiment beaucoup de bruit derrière moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe, les amis. J'ai l'impression qu'il y a vraiment du grand n'importe quoi. Bon, j'espère que ça va vraiment se calmer. En tout cas, les amis, c'est parti, on va casser, du coup, le petit bois, hop, nickel. Par contre, j'ai rien pour poser. Non, 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 non. Ok, bon, les amis. Ok, bon, on aura deux pierres. Il va falloir que j'aille rechercher de l'eau, punaise. Ok, bon, ma technique, elle marche qu'à moitié, les amis. Il faut toujours que j'ai un bloc sur moi, en fait. Il faut que toujours que j'ai un bloc sur moi. Alors là, si je récupère l'eau. Ok. Oh non. Non, ma source d'eau. Ma source d'eau, les amis. J'ai cassé la source d'eau infinie. Non, j'ai cassé la source d'eau. Ah non, il est là. Oh oui. La chance que j'ai. Ok. Ah bah non, j'ai plus de chance, les amis. La vache est tombée dedans. Oh, elle est vraiment débile, cette vache. Hein. Oh, elle est vraiment débile. Bon, on va casser le bois, les amis. Ce que je vais faire, en fait, je crois qu'il y a la source d'eau infinie. Faut pas le faire en profondeur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça soit du 2 sur 2, les amis, et qu'il n'y ait rien d'autre. Ok, la vache est sortie, les amis. Nice. On va mettre le seau d'eau juste ici. Tac. Et là, on va prendre l'autre. Punaise, j'ai vraiment eu peur. Je pensais que j'avais plus de seau d'eau. Tac. Et là, on le met ici. Là, ok, j'ai la source d'eau infinie. Ok, nickel, c'est bon, ça marche. Ok, là, je mets ma source d'eau, les amis. C'est parti. J'ai mon petit bloc. Ok, plutôt pas mal. Là, je casse la pierre. Ok, oh, j'ai vite arrêté parce qu'il y a la vache ici, les abonnés. En fait, si elle prend la lave, elle va mourir. En fait, c'est ça qui est un peu chiant. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir un peu la plateforme, les amis. Vu qu'on a du bois, on va l'agrandir. Regardez, comme ça, notre plateforme elle commence à devenir plus grande. Je sais pas s'il y aura des monstres. Oh, regardez, vous avez vu là-bas ce qu'il y avait, les amis? Est-ce que vous avez vu? Dites-moi dans les commentaires. Bon, c'est super génial parce que la vidéo elle avait vraiment bien plu. Donc, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me dire. En tout cas, regardez, la plateforme commence à s'agrandir. Bah, tenez, je vais enlever le bois ici. Comme ça, on va pouvoir le prendre pour agrandir la plateforme. Le but, ça va être que la plateforme s'agrandisse de plus en plus, les amis. Et que simplement, bah, qu'on puisse survivre sur la plateforme le plus longtemps possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, on essaiera de faire des petites plantations. Ça pourrait être plutôt pas mal. Et pourquoi pas, dans un épisode prochain, les amis, de pouvoir pas faire une petite maison ou autre. Ou peut-être aujourd'hui, si on a le temps, on fera une petite maison. Allez, c'est parti. Je casse le bois, nickel. J'agrandis la plateforme, regardez, hop, 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 voilà, hop là, nickel, ok, bah il me reste deux, pourquoi pas, on va encore agrandir, tac, voilà, nickel, c'est parfait. Alors du coup, par contre, les arbres, je vois qu'ils ne dépopent pas, du coup, je vais devoir les casser à la main, donc c'est plutôt pas ouf, les amis, hein. C'est plutôt pas ouf, parce que du coup, je pensais que ça s'enlevait automatiquement, surtout qu'il y a la lave juste ici. Alors j'espère que si je trouve un arbre, il ne va pas simplement descendre dans la lave, ça serait, ah bah regardez, oh
Oh punaise, oh punaise, il est juste à côté. Ok, j'ai eu peur les amis, il était juste à côté l'arbre. Il a failli tomber dans la lave. Ok, on va encore casser. Espérons qu'on ait un deuxième arbre, ça serait super cool. Ok. S'il vous plaît, un deuxième arbre, s'il vous plaît. Ok, bon, j'ai pas l'impression qu'il y a un deuxième arbre qui veut le pousser. Hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la terre ici. Hop. Alors, si j'arrive à la prendre, nickel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre ici, voilà, les amis. Tac, 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 tac. On casse. Bon, bah, du coup, on a perdu un bloc. Super génial, ça. Ok, on prend l'arbre, les amis. Enfin, la terre. On prend l'arbre, on le plante dedans. Et on utilisera la poudre d'os à la fin. On va laisser tout simplement pousser tout seul. On va essayer de casser pour avoir un deuxième arbre. Ça serait super cool. Oh, je crois que j'en ai eu un. Non, les amis, je pensais en avoir un. Ah, oh, punaise, j'ai vraiment les boules. Hein, parce que je pensais qu'on en avait plus souvent. Regardez, je crois que sur un arbre, je peux en récupérer qu'un seul. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça, les amis. C'est pas possible. Dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Tac, tac, tac. Non, les amis, je crois que j'en avoir qu'un. Non, mais. Oh, c'est du grand n'importe quoi. Ok, j'en ai eu qu'un. Peut-être qu'ici, j'aurai plus de chance. Ok, bon, on fera ça tout à l'heure. Ça sera la surprise, les amis. On va essayer de récolter un peu plus de pierres. Comme ça, on pourra faire une maison un peu en pierre. Et tout simplement en bois. Ça sera plutôt joli. Donc là, hop, je casse. J'attends que la lave descende. Ça me fait un bloc. Ok, je casse, tac. Ensuite, je prends ma pioche. Je pense que je peux même faire une pioche en pierre, les amis. Là, j'ai assez de pierre pour me faire une pioche en pierre. Du coup, c'est parti. On va faire une petite pioche. Tac, j'ai les deux bouts de bois tout à l'heure. Je fais ça. Et ensuite, j'ai ma petite pioche en pierre. C'est plutôt pas mal. Les seaux d'eau, je vais les remplir au cas où notre source d'eau, les amis, elle se termine. On va simplement en remplir un autre. Voilà, parfait. Et on va les mettre dans le coffre. Tac, tac. Bah, tu sais quoi? On va mettre aussi ceci, les amis. Hop. Et voilà, nickel. Voilà, dites-moi si vous connaissez la source d'eau infinie, les amis. Sur Minecraft, c'est plutôt utile, vraiment. Donc, ça, on va le récupérer. Parce que, du coup, est-ce qu'elle mange ça, elle? Non, non, elle en mange pas, ok. Ah, quoique. Ok, non, 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 elle ne mange pas, elle ne mange pas, les amis. On ira simplement sur une houe juste après. Avec les seaux d'eau, on pourra simplement faire une petite farm à blé, les amis. Comme ça, on pourra nourrir notre petite vache. Et ça sera plutôt pas mal. Peut-être qu'elle pourra nous produire quelques trucs. Ah, ma petite vache. Ah, ma petite vache, hein, les amis. Elle est vraiment super gentille. Allez, hop, vas-y, pars d'ici. Tac. Est-ce que j'ai de la pierre? Voilà, parfait. Ok, j'ai de la pierre, les amis. Je casse. Du coup, on attend, on va le récupérer. La lave, elle va. Hop, je ferme. Et là, j'ai mon petit bloc à piocher. Du coup, c'est plutôt pas mal. Ok, nickel, je récupère, là je casse aussi ici, je le récupère aussi, là la lave elle le fait, et voilà, nickel, on a une petite farm automatisée les amis, enfin automatisée, à moitié automatisée, faut quand même qu'on casse les blocs, etc. Regardez, à chaque fois elle tombe, et là on a notre petite pierre, et ça fait ultra plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir simplement construire la maison petit à petit, et je vais commencer ben, du coup à faire la plateforme moi quand même. Tac, on va faire la plateforme, voilà, nickel, petit à petit en pierre, et ensuite on pourra tout simplement les amis... et bien construire notre maison. Et bien vous savez quoi, le bois que je vais prendre ici, je vais le mettre simplement aux extrémités. Parce qu'en fait il sert un peu. Est-ce que j'ai vraiment eu peur? Oui, clairement les amis, je pensais que j'allais tomber. Alors attendez, on va mettre une demi-dalle. Tac, voilà, comme ça. Bon, j'ai vraiment flippé, je pensais que j'allais tomber. Alors mais attendez, ça veut dire qu'on peut pas aller en dessous? Ah si, regardez, bah. Ok, en fait je crois qu'il y a des endroits les amis où c'est creux. Ok, en fait à partir d'ici. Ok, à partir d'ici c'est creux, d'accord, ok, pas de soucis. Bon, je retiens les amis, je vais casser simplement la terre ici, tac. Alors, est-ce qu'il y a quoi? Il y a quoi? Il y a rien ici, tac, je peux la prendre. Nice, et là je vais monter. Ok, parfait. Bon les amis, on a failli tomber quand même. Bon, les amis, dites-moi si à votre avis je vais réussir à faire une maison avant la fin de l'épisode. J'espère en tout cas, tac, 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 tac. En tout cas, je vais faire une petite maison, hein. Je vais pas en faire une énorme. Voilà, je pense que là ça me suffit pour me faire ma maison. Et bah du coup c'est maintenant, c'est parti, on va farmer la pierre les amis. Donc allez, je casse celle-ci, hop, je la récupère. Ensuite, elle se transforme. Nice, je ferme. Et ensuite, je récupère la petite pierre. Parfait. Ok, super les amis, c'est plutôt pas mal. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je peux peut-être récupérer l'eau? Alors attendez, je vais faire un truc les amis. Je vais essayer de faire un truc. Tac, tac. Alors c'est peut-être, ça va être un fail. J'ai juste, j'espère ne pas perdre tout simplement ma source de lave. C'est tout ce que j'espère. Alors attendez, je vais récupérer ma petite planche. Ok, parfait. Donc là, en fait, ce que je veux faire, c'est que je vais casser ici. Là, je casse ça. Donc là, regardez, hop, on a la lave qui tombe ici. Ok, donc c'est pareil. Oh, wow. Ok, bon, les amis, ça s'est pas passé comme prévu. Il faut que j'aille dans l'eau, Nice, ok, parfait. Ok, j'essaie de trouver une petite solution, les amis, pour faire une ferme automatique, c'est-à-dire que j'ai pas à casser le bloc à chaque fois ici. Simplement, voilà. Tac, les amis, c'est parti. Ah, peut-être que si je casse comme ça. Ah non, ça tombe dans la lave, en fait, ça tombe dans la lave, les amis. Ok, tac, c'est parti. Oh non, les amis, la lave, elle va nous casser toute notre maison. Ça va être du grand n'importe quoi. Notre île va partir en feu, les amis. Ça va être du grand n'importe quoi. Ah bah, regardez. Ok, ici, on a ça. Est-ce que ça tombe après? Non, ok, ça tombe pas, les amis. Mais est-ce que, par exemple, si je casse la planche, voilà, ici, les amis, et qu'ensuite, tac, la lave, elle descend. Hop, je bloque.
Ok, non, ok, bon, ça marche pas du tout. On va faire la bonne technique, les amis, de tout à l'heure. Et ça sera parfait. Voilà, nickel. Ça, je casse ça. Il y a une petite pierre derrière que je vais aller récupérer. Tac, voilà, juste ici. Parfait. Donc, ça, je mets ça ici. Donc, là, normalement, ça s'est transformé, les amis. Donc, là, je fais ça. Tac. Ça, je peux le récupérer, du coup. Ouais, voilà, nickel. Ça, je peux le récupérer. Je peux casser ça, les amis. Parfait. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais rester ici. Je vais rester ici, les amis. Parce que, regardez, je casse la petite planche. Hop, voilà. La lave, elle descend, elle transforme la pierre, je coupe, et ensuite je récupère ma petite pierre. Bah franchement c'est plutôt pas mal les amis, c'est assez automatisé, dites-moi ce que vous en pensez. En fait juste à casser la petite planche, regardez, la lave, elle descend, elle transforme la pierre, je bloque, et ensuite je casse, et c'est plutôt pas mal, voilà, nickel. Et bah du coup c'est parti, on va commencer à faire notre petite maison, on a 5 de pierre les amis, du coup on va commencer à faire les murs tout simplement, voilà. On va commencer à faire les murs petit à petit, voilà, on peut même le faire un peu en bois, voilà ça du coup tac, je récupère. Le sable je pense c'est pour faire les vitres. Le sable c'est pour faire les vitres les amis. Du coup à quoi ça peut nous servir ça? Ah bah c'est pour les arbres, c'est pour les arbres. Allez c'est parti. Tac, voilà. On a. Ouah, il est big cet arbre, ok il est big. C'est la première fois qu'on a un arbre aussi grand les amis. Peut-être que justement dans cet arbre on va pouvoir prendre plusieurs racines d'arbres. Du coup on va pouvoir peut-être avoir plusieurs possibilités de faire beaucoup d'arbres. Et ça va être utile les amis pour avoir encore plus de bois et pouvoir faire la maison plus rapidement. Allez c'est parti, on creuse, on creuse, on creuse. Croisez les doigts les amis, n'hésitez pas à mettre des petits messages de soutien dans les commentaires et mettre un maximum de likes. Comme ça simplement on pourra peut-être avoir plus de chances d'avoir un arbre. Pour l'instant on en a zéro. Pour l'instant on en a zéro et je suis en train de regarder dans mon inventaire, on a que dalle. Ok bon on espère, on espère, on espère. Hein. Oh, pour l'instant il n'y a rien les amis. Pour l'instant il n'y a rien. Ça me fait flipper parce que pour l'instant il n'y a rien du tout. Ok je vais casser le bois, peut-être qu'il faut casser le bois d'abord. Hein. Je sais pas. Dites-moi si vous avez des techniques les amis pour avoir plus de racines d'arbres. Parce que là pour l'instant, à chaque fois que je plante un arbre, j'en récupère qu'un seul. C'est assez saoulant les amis. Parce que du coup on peut pas en faire plein plein plein. Et ça me paraît assez bizarre parce que d'habitude les amis quand on casse un arbre, on en a plein d'autres qui spawnent et c'est vraiment plutôt sympa. Allez hop du coup c'est parti, je casse le bois. Vous savez quoi, bah, on va commencer à faire la maison, je vais casser celui-ci. Dès que j'ai récupéré tout le bois les amis, on va commencer déjà à faire la maison. Enfin on va la continuer quoi. Hop c'est parti, on récupère l'arbre, nickel, ok. Du coup j'ai dans ma table de craft, j'ai 10 de bois, ça me fait 40 planches du coup la maison va bientôt du coup prendre forme, ça fait plaisir. Hop, du coup je casse celle-ci les amis parce qu'elle ne sert un peu à rien. Tac, la porte d'entrée, je vais la faire où? Je vais la faire ici, les amis, regardez. Je vais la faire là, tac, tac. Et là, voilà, on aura la petite maison qui commence à prendre forme. Du coup, c'est plutôt pas mal. Bon, on fera les fenêtres, les amis, on les fera tout à l'heure. Du coup, avec simplement la vitre qu'on a, enfin le sable qu'on a, et on pourra faire des petites vitres. Du coup, c'est plutôt pas mal. Par contre, je ne sais même pas comment on fait une porte. Hein. Les amis, je ne sais même pas comment on fait une porte. Je vous rappelle que je suis le noob de Minecraft. Je ne connais rien de Minecraft, les amis. Enfin, je connais la base, mais après, je ne saurais pas tout faire. Allez, hop, c'est parti. Je casse le bois, tac. Ok, ensuite on va le poser ici. Oh là là, je me fais que me fail. Je fais que me fail, les amis. Ok, je récupère. Tac. Je sais pas si on a besoin d'un toit. Peut-être que le soir, les amis, il y aura des monstres. Parce que, comme je vous rappelle, les amis, regardez, nous sommes tout simplement dans les nuages. Du coup, bah, c'est plutôt satisfaisant. Mais ça fait aussi un peu peur. Parce que, du coup, je ne sais pas s'il y a des monstres qui puissent spawn ici. Du coup, là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires avec quel youtubeur vous voulez tout simplement. Que je fasse une survie sur Minecraft et surtout pourquoi. Je sais pas si vous en souvenez les survies qu'on avait fait avec Souka, Oxymos, etc. Les amis, bon, on pourrait faire pareil mais avec bien sûr d'autres youtubeurs. Voilà, par exemple Twinner, Diabolofit, etc. Ça pourrait être plutôt sympa. Du coup, alors hop, 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 les amis, je casse, hein. Je casse ça, les amis. On espère que simplement on va réussir à faire un truc assez clean. Pour l'instant, j'ai eu un arbre. Hein. Pour l'instant, j'ai eu un arbre. Pour l'instant, vous savez quoi, on va. Oh, j'ai eu un deuxième! J'ai eu un deuxième les amis, ça nous fait deux arbres je crois. Oui, non trois, on a trois arbres les amis. C'est plutôt pas mal, on a trois arbres. Alors du coup tac, si je le pose ici. Et qu'ensuite après je mets du bois juste là. Hop, voilà nickel. J'ai même ça, regardez la planche je peux la mettre si je veux. Tac, voilà nickel. Et là normalement j'ai la poudre d'os qui me reste. Donc là et hop je peux faire spawn un arbre. Et du coup voilà c'est plutôt pas mal. Voilà c'est plutôt pas mal, on va réussir à faire quelque chose je pense. Donc voilà nickel et là je peux récupérer simplement le bois. Je récupère le bois. Je fais le tour simplement les amis pour pas que... Bah attends, regardez, pour pas que ça tombe dans le vide, ça serait plutôt bête que ça tombe dans le vide. Ok, nice, je récupère la planche de bois. Ok, franchement, c'est plutôt pas mal, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à activer la cloche de notification, à vous abonner et à regarder toutes mes autres vidéos, ça me fait ultra plaisir, les amis. Et à cliquer tout simplement à la fin de la vidéo, il vous propose simplement des fois deux vidéos. Et bah, il faut cliquer sur une des deux, simplement pour regarder une autre de ma chaîne YouTube. Franchement, ça serait super cool. Ok, j'ai récupéré un arbre, il me semble, je l'ai vu, qui est tombé, tac. On va voir si on peut récupérer peut-être un deuxième. Peut-être, 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 peut-être. Non, ok, bon, je creuse vite fait, les amis. Hein. Je creuse vite fait. Peut-être si on a de la chance. Non, ok, bon, il n'y a rien du tout. Ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va prendre le bois et on va le convertir en planche. Là, j'ai quelques planches et là, je vais faire le tour simplement. Comme ça. Hop, hop. Tac, tac, tac. Tac,
Tac, voilà les amis. Histoire de, comment ça s'appelle? Histoire que si je plante un arbre, ça ne tombe pas tout dans le vide. Parce que là, je crois qu'après, il y a la moitié qui tombe dans le vide. Du coup, c'est vraiment pas drôle. Hop là, nickel, super. Alors du coup, je vais reprendre Non! Je voulais reprendre la terre qu'il y avait ici, les amis. Ok, je pense que ici, je peux la reprendre. Super, nickel. Et du coup, alors, pour éviter de tomber, on va faire ça. Tac, tac. Ok, parfait. Du coup, alors là, regardez, là, on a de la terre. Je peux placer un autre morceau de terre, par exemple, ici. Voilà, super. Je sais pas si c'est dans le vide. Ok, ah, c'est dans le vide. J'ai pas réussi à le récupérer. On va planter deux arbres. Allez, un et un autre ici. Et là, on va faire pousser les arbres avec la poudre d'os. Oula, c'est parti, les amis. Bon, je suis un peu dans les feuillages, là. Du coup, c'est plutôt bizarre. Hop, du coup, voilà, nickel. Tac, 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 tac. On va casser. Et là, on va pouvoir simplement prendre le reste du bois. Du coup, c'est plutôt pas mal. Hop, du coup, je reprends le reste du bois. Wow, la vache, elle m'a fait peur, les amis. Je pensais que c'était un mob au début. Ok, tac. Je convertis le bois. Ça m'en fait 13. Et là, je vais pouvoir faire le toit, les amis. Je vais pouvoir faire le toit de la maison. Du coup, alors, hop, c'est. Alors, du coup, comment je pourrais faire? Alors, il va falloir que j'en pose un, les amis. Il va falloir que j'en pose un. Tac, 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 tac. Et là, on va faire le toit tout simplement de la cabane. Hop, voilà, nickel. Je sais pas si j'aurai assez de bois. Il m'en reste 3. Hop, pile poil, pile poil. Pile poil, les amis. J'ai fini le toit de la maison. C'est plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez de petite maison. Il va falloir simplement qu'on fasse en sorte d'attendre des mobs qui viennent, etc. pour pouvoir avoir plus de minerais, etc. Et comme ça, on pourra agrandir la maison. On pourra simplement. Bah, regardez le coffre. Je vais aller le mettre dedans. Alors, attendez. On va passer par ici. Tac, 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 tac. Là, le coffre, je récupère. J'espère que ça va pas tomber dans le vide. Attention. Hop, ok, c'est bon, j'ai tout récupéré, les amis. On va simplement mettre ça à la maison. Regardez, hop, j'ai mon petit coffre, il est juste ici. Je vais mettre ça là, tac. Et là, regardez, je peux tout mettre dans mon coffre. Du coup, c'est plutôt pas mal. Et là, du coup, les amis, si cet épisode vous plaît, eh ben, simplement, peut-être qu'il y aura un épisode 2. Et dans cet épisode 2, on pourra simplement, les gars, eh ben, agrandir la maison. En tout cas, franchement, j'espère que cet épisode vous a plu, hein. En tout cas, voilà, parce que je pense qu'on peut rien faire de plus dans cet épisode, voilà, à part cueillir le bois. Mais ça, je pense que je le ferai hors vidéo. Quoique, je peux le faire un peu maintenant. Je peux le faire un peu maintenant, je sais pas, les amis. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas simplement à vous abonner, à mettre un maximum de likes. C'était Awariz, on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao tout le monde!